Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Alors, je vous laisse arriver à votre rythme. Donc, pour cette séance de yoga, donc yoga vinyasa, je vous laisse arriver tranquillou. Et bonjour, je vous laisse arriver, je vous laisse venir, vous installer. Coucou Samira, coucou Mélanie, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Anne, bonjour. Super, il y a du monde, vous êtes là, c'est chouette. Donc, pensez, oui, à mettre un petit pouce, à commenter, à me dire que vous êtes là, que vous êtes bien présent. Donc, aujourd'hui, coucou Sylviane. Donc, aujourd'hui, une séance de yoga vinyasa. Donc, c'est un enchaînement de postures. On va faire des enchaînements de postures. Donc l'objectif de ce cours, ça va être de venir travailler donc sur l'ouverture en fait de notre bassin. Pourquoi? Parce que du coup ça va venir travailler sur tout ce qui est émotion. Et donc comme je vous disais, donc aujourd'hui on va travailler sur tout ce qui est l'acceptation, arriver à accepter donc ce qui se passe dans notre vie, la situation qui se passe aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle on est, hein, bloqué, et venir donc accepter tout ça, donc qui sont des émotions parfois assez lourdes et qui pèsent un petit peu. Donc tout ça, en fait, ces émotions-là viennent se placer, en fait, on a tendance à dire, voilà, au niveau donc du bassin, donc viennent se placer ici. Donc l'objectif est de venir travailler sur le muscle, donc ilio-psoas, et de venir en fait libérer et ouvrir en fait, donc pour libérer les émotions négatives, etc. Donc voilà, je vous propose cette séance là aujourd'hui. Donc bonsoir tout le monde, coucou Lise, coucou Karine, coucou Eric, Christophe, super, coucou Stéphanie, coucou. On a Hélène qui est là, Corinne, super. Donc je vois qu'il y a du monde ce soir, c'est chouette. Donc j'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Et super. Et coucou, j'ai eu peur. Pourquoi Corinne? Coucou Béa. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça tombe bien, j'ai un début de l'imbago. Ok, alors du coup, prends ton temps quand même, vas-y doucement. Hein. Parce que du coup là on travaille vraiment plus sur le bassin et pas forcément vraiment que sur le dos. Donc en tout cas dans les postures, prends le temps à ton rythme, va pas trop loin pour éviter justement de te faire mal. Héloïse, bonjour, tout va bien, super. Agnès, non mais super, il y a du monde ce soir, c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc c'est génial. Isabelle, coucou. Eh bien, c'est bien. Donc, on va y aller à notre rythme. Donc, je vous propose de venir un instant. On va se poser sur notre tapis. On va venir commencer donc la séance. Donc, on va se poser juste un petit instant sur le tapis, prendre conscience de nous, de notre corps. Et ensuite, on va commencer par un enchaînement, donc un vinyasa. Donc, on va faire un vinyasa, donc un vinyasa d'un côté et ensuite de l'autre, et ensuite on le fera un tout petit peu plus rapidement. Voilà, donc ok Lily, coucou, allez ben on y va, c'est parti. Alors je vous propose de vous mettre sur votre tapis, hop, donc déjà de vous asseoir, et on va venir ici se poser juste un instant et venir prendre de profondes inspires, profondes expires. Déjà bien prendre en compte, bien prendre conscience de votre corps. Prenez bien conscience de votre souffle. Sentez l'air frais qui passe par vos narines à l'inspire.
et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Pensez à bien relâcher vos épaules, votre bassin et prenez bien conscience de comment vous êtes positionné au sol. En même temps, vous pouvez entendre la musique et restez toujours concentré sur votre souffle qui devient peut-être de plus en plus profond, de plus en plus calme. Et je vous propose, pour ce début de séance, de venir poser une intention. Donc par exemple, de venir accepter ce qui se passe aujourd'hui, la situation dans laquelle on est. Prendre le temps d'accepter, d'être à l'écoute de nous. Donc on va revenir pendant la séance donc sur cette intention. Et on va essayer plusieurs fois dans la séance de se rappeler donc, de notre intention et de venir aussi accepter dans notre corps, nos émotions, nos sensations. Et je vous propose juste là, un instant, de venir juste prendre conscience de comment vous vous sentez, les émotions qui sont là. Voilà, laissez aller, ressentez, n'essayez pas de bloquer. Peut-être pour être en colère, pour être triste. Ok, les émotions sont là, et elles sont là pour être vécues, et elles sont ni bonnes ni mauvaises. Donc prenez juste le temps de vous poser et d'accepter ce qui se passe en vous, aujourd'hui, maintenant. Et peut-être que vous pouvez vous rendre compte que juste de prendre un petit moment pour venir prendre conscience de ce qui se passe en nous et venir accepter, déjà, on se sent un tout petit peu mieux. Et parfois même beaucoup mieux. Ça dépend. Alors, on va venir mettre les mains au niveau du cœur et on va venir inspirer, se grandir, lever les bras vers le ciel. Inspirez bien, grandissez-vous. Et à l'expire, ouvrez, relâchez ici. Et on vient en faire ce mouvement plusieurs fois. J'inspire bien, poussez dans vos fesses pour grandir votre colonne vertébrale. Et à l'expire, ouvrez. Encore une fois. Et à l'expire, relâchez bien. Super. Inspire profondément, une bonne inspire bien profonde. Expirez, relâchez ici. Et on va venir à notre rythme, venir se mettre debout. Alors on y va tranquillement. On va commencer donc debout, ici. Alors, on va venir mettre les mains au niveau du cœur, juste sur le cul. Alors, on vient ici, inspirer, lever les bras. À l'expire, on va venir se pencher vers l'avant, relâcher vers l'avant, relâcher bien les bras, relâcher la tête. Et ici, donc, n'hésitez pas à avoir les genoux pliés pour venir, si vous pouvez, poser les mains au sol. Et on va venir donc inspirer, lever le bras gauche, j'inspire, je lève le bras gauche pour regarder mon bras. Et à l'expire, je le relâche vers l'arrière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, avec le bras droit, je lève. À l'expire, je recule vers l'arrière. Et ici, si on est à l'aise, on peut venir tendre nos jambes. Et en fait, donc je viens inspirer, je lève le bras gauche et je viens plier légèrement la jambe droite. J'inspire, à l'expire ici, je relâche. J'inspire avec le bras droit, je plie la jambe gauche. À l'expire, je relâche. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés. Et relâchez ici. Relâchez la tête, relâchez les bras. On va venir ici inspirer, faire le dos plat. Donc, j'hésite pas à mettre les mains
bien sur mes jambes ici, j'inspire dos plat. Expire, je relâche bien ici. Si je peux, je viens attraper mes gros orteils quand je fais j'inspire dos plat, sinon je garde bien les mains près de mes jambes pour venir me redresser et pour avoir le dos plat. Expire, je relâche. Allez, encore une fois, on inspire. Dos plat. À l'expire, je plisse, je relâche la tête. Et je viens inspirer et me redresser dos droit en redressant les bras. J'inspire. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur ici. Et je vais mettre le cœur à côté pour que vous me voyez bien. Alors, on vient inspirer, on vient lever la jambe droite. J'inspire, je lève. Et à l'expire, je vais venir ici. Donc, reculez la jambe droite pour me mettre en guerrier. Sinon, vous prenez le temps de vous mettre à votre rythme dans la posture du guerrier ici. Donc, pensez vraiment à essayer d'avoir un écart ici et de vous sentir bien ancré, positionné. Donc posture du guerrier. Donc, c'est le guerrier de la paix. Attention. Donc, on inspire bien. On se grandit. À l'expire, on essaye de rentrer un petit peu plus dans la posture. Prends le temps, on essaye de se sentir bien ancré dans cette posture, dans la détermination. On se sent fort. On prend de profondes inspires, profondes expires. Et pensez à venir vraiment, à vous rappeler de l'intention, à venir accepter. Peut-être il y a des moments où c'est un petit peu dur de tenir dans la posture. Prenez le temps d'accepter. On inspire bien. À l'expire, on va venir poser le bras gauche sur la jambe gauche. Et on inspire, on lève le bras droit. À l'expire, je reste. Si c'est possible pour vous, vous venez poser le bras gauche au sol. Et vous restez dans cette posture. Et à l'expire, je reste. Et j'essaye de rentrer un petit peu plus dans la posture si c'est possible. Si je peux, je regarde vers le ciel. Vers ma main. Toujours en ayant une profonde inspire, profonde expire. Inspirez bien. À l'expire, je viens poser les deux mains au sol et le genou droit au sol. Et je reste ici, dans cette posture, qui est la posture du lézard. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Je me décale un tout petit peu. On inspire ici. Et à l'expire, on essaye. Alors, si déjà c'est difficile dans cette posture, bien sûr, vous restez là. Sinon, vous pouvez venir poser les avant-bras ici. Alors, cette fois-ci, le pied reste bien au sol. On ne vient pas ouvrir ici le genou. On reste vraiment ici. Et on pense toujours à bien inspirer et bien expirer. On inspire bien. À l'expire, venez pousser dans vos mains. Et on va venir à notre rythme se mettre dans la posture du chien. Donc on lâche notre jambe gauche et on vient doucement se mettre dans la posture du chien. Alors pensez, pour avoir bien les repères dans le chien, on passe par le chat. Et comme ça, on plante nos orteils et on est bien dans le chien. Et on relâche ici. Inspirez bien, restez. Expirez. Rappelez-vous de votre intention. Prenez le temps d'écouter votre corps, d'écouter votre respiration. Et bien inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le genou entre les deux mains. Ici. Et on pose le genou au sol et on vient ici s'asseoir. Alors, si on peut, donc, hop, je me tourne, je ne suis pas sûre que vous me voyez pas. Donc ici, je viens ouvrir, ici, donc le genou, si je peux, c'est difficile. Bien sûr, je n'hésite pas à m'asseoir sur le talon. Donc ici, je viens ouvrir, ok. Et ici, c'est d'ouvrir la jambe gauche derrière. On inspire bien dans cette posture, donc, ici. On inspire,
Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Et on relâche et on reste ici. Trois bonnes inspires, trois bonnes expires. Essayez toujours de bien relâcher dans l'expire. Inspirez bien. À l'expire, on vient doucement se redresser. Et on vient ouvrir ici, sur le côté. Donc je me décale ici. Et je reste avec la jambe pliée, la jambe droite pliée. Et je viens inspirer, je viens lever le bras droit. Et à l'expire, je viens me pencher vers la gauche. J'hésite pas à l'inspire, à me redresser légèrement pour pouvoir bien inspirer. Et à l'expire, à relâcher toujours un peu plus, si possible. Pensez à bien relâcher votre épaule gauche. Inspirez. Et à l'expire, je relâche ici. Et je viens ouvrir la jambe droite ici pour ouvrir mes jambes. Ici. On inspire ici, on se grandit bien. À l'expire, on vient doucement se pencher à notre rythme vers l'avant. On prend le temps. Mais restez trois bonnes inspires, trois bonnes expires. Pensez à toujours prendre une bonne inspiration, à grandir votre corps. C'est important de vraiment avoir des profondes inspirations pour vraiment apporter toujours plus d'oxygène à l'intérieur de votre corps. Et allez, expire, redressez-vous doucement, prenez le temps. Ici, et on vient refermer ici. Et on vient se mettre donc, sur les deux pieds en pliant les genoux. Et on va venir ici faire la barque. Donc on plante nos deux mains dans le sol. Et on vient ici basculer le poids du corps un peu plus sur les fessiers pour pouvoir lever nos jambes. Donc à votre rythme, on essaye de lever les jambes en toujours gardant le dos droit. Donc on inspire bien ici. À l'expire, on reste. Si on peut, on vient ouvrir ici. On se redresse. On inspire, si on peut, on vient mettre les mains en avant. J'inspire bien, je reste. Inspirez bien. Inspirez. Allez, expire, relâchez ici. Et ici, on va venir prendre notre pied. Alors, n'hésitez pas à relâcher légèrement la jambe gauche et on va mettre en fait notre cheville droite sur le genou gauche, ici. Comme ça. Et alors, si je peux, je ramène un petit peu plus la jambe gauche vers moi. Là, évidemment, des fois, je me remets à gauche, droite. Et on vient attraper donc notre jambe gauche ici pour essayer toujours de redresser notre dos. Donc en fonction, vous ramenez plus ou moins. Et si c'est difficile, n'hésitez pas à avoir un peu plus les jambes croisées. Ok, donc chacun son rythme. Donc on inspire, on reste ici. À l'expire, vous restez bien. Inspire, j'essaie toujours d'ouvrir la zone du cœur. À l'expire, restez dans cette posture. Ça va prendre de profondes inspirations, de profondes expirations. Et à l'expire, relâchez bien. On va venir relâcher la jambe droite. Ici, on va venir plier la jambe gauche et venir attraper, donc ce qu'on appelle faire la bercer son bébé. Donc on vient, si on peut, mettre le coude droit, le genou droit dans le coude droit. Ici, attraper, donc ici, et venir attraper notre pied ici pour venir ramener notre jambe vers nous. On pense à bien inspirer, à se grandir, et à l'expire, à ramener un tout petit peu plus, toujours en douceur. Prenez vraiment le temps, ne forcez pas. Si vous pouvez, vous venir
venir attraper et mettre du coup votre pied droit dans votre coude gauche. Et venir attraper ici, nous ce qu'on appelle bercer son bébé. Et on pense toujours à inspirer, grandir son dos. À expirer, à relâcher toujours un peu plus, à se détendre dans la posture. Je sais que c'est pas toujours évident, mais si vous avez du mal à vous détendre dans la posture, c'est que vous êtes trop loin. Dans l'expire, vous devez sentir la détente. Et la prochaine expire, vous pouvez relâcher ici, décontracter, en venir. Allongez les jambes devant nous, ici, et on vient inspirer, levez les bras, faites les pieds flex, à l'expire, je relâche vers l'avant, relâchez les pieds, relâchez bien la tête, inspirez dos plat, donc venez vous redresser pour avoir dos plat, bien inspirez ici, à l'expire, descendez, inspire dos plat. Expire, descend. Et encore une fois, inspire de plat. Expire, je relâche. Et on inspire. À l'expire, je me déroule vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à bouger. Et on va venir se mettre dans la posture du chat ici. On se positionne bien dans la posture du chat. Et on va venir inspirer, lever la jambe droite ici vers le ciel. Donc j'essaye d'avoir un rectangle, un équerre au niveau de ma jambe. Donc elle n'est pas tendue, elle est pliée. Ok ? On inspire ici, on reste. Et ici, je vais vous montrer, je viens inspirer et à l'expire. Si je peux, je viens planter mon pied gauche et je viens me mettre dans la posture du chien ici, en gardant la jambe levée. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous relâchez la jambe droite et vous venez vous mettre dans le chien. Ok ? Ne cherchez pas à forcer, allez-y à votre rythme. Donc j'inspire, à l'expire, je vais dans le chien. Et je garde la jambe en l'air. Je peux même la relâcher légèrement vers la gauche, si je peux. À l'expire, je reste dans cette posture. Inspire bien. À l'expire, je reviens doucement dans la posture du chien. Je reste ici. Relâchez bien votre tête. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Et elle expire, revenez ici dans la posture du chat. Et on va venir mettre le genou droit vers le centre. Donc toujours dans l'alignement, mais dans le centre ici. Et avec la jambe gauche, on va venir la mettre derrière la jambe droite. Et je viens m'asseoir sur la jambe gauche, ici. Donc la tête de vache, posture la tête de vache. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ici, je viens m'asseoir donc sur mon... Donc en fait, mon talon est entre mes deux fesses. Si je suis bien que ça ne tire pas, je peux venir mettre la jambe gauche ici, sur le côté. Et relâcher, et si je peux poser mes deux fesses au sol. Hop, et relâchez ici. Et on va venir mettre le bras gauche vers le ciel. Donc j'inspire, je mets vers le ciel. Et je viens ici le mettre vers les épaules. Donc l'objectif est de pointer donc, le coude vers le ciel et le coude droit vers la terre. Hop, je me retourne. Ici. Donc voilà. Si je peux attraper mes mains, tant mieux, je les attrape. Sinon, il n'y a pas de problème. L'objectif est le même, c'est d'arriver à avoir donc, les coudes qui pointent l'un vers le ciel
et l'autre vers la terre. Et d'essayer toujours à l'inspire d'ouvrir la zone du cœur et à l'expire à sentir que mon corps se relâche dans cette posture. Et à l'expire, on relâche ici. Et on vient à notre rythme se remettre dans la posture du chat. Vous pouvez soit relâcher les jambes, soit venir vous mettre comme moi dans la posture du chat. Et on inspire ici. À l'expire, on vient dans le chien. On relâche ici. J'inspire. À l'expire, je vais tout doucement marcher vers mes mains. Et j'inspire, je fais dos plat. À l'expire, je plie, je relâche la tête et je peux venir attraper mes coudes ici. Et relâchez bien, relâchez votre tête et contractez. On inspire. Expire, je me redresse doucement vers tête par vertèbre. Et je relâche ici. Inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Et posez-vous, prenez le temps de prendre conscience de votre corps, de vos deux pieds bien en contact avec le sol. Sentez peut-être votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. En même temps que vous êtes toujours concentré sur votre intention de la journée. Et rappelez-vous de prendre le temps d'accepter et laisser ouvrir votre corps pour laisser libérer les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il peut y avoir les deux. Et on va venir. Inspirez, on va finir faire la même chose de l'autre côté. Alors, on inspire bien, on lève les bras. À l'expire, je monte la jambe gauche. J'inspire ici. Expire, je plie la jambe d'appui et je viens me mettre dans la posture du guerrier ici. Alors, pensez à bien vous stabiliser. Alors, le pied gauche est légèrement rentré à 45 degrés, pas 50, 45 vers l'intérieur. On inspire, on se grandit bien, à l'expire, on rentre un peu plus dans la posture si possible et on essaye de se sentir bien ancré, fort, comme un guerrier. Guerrier de l'amour, de la paix, mais fort quand même. On inspire bien, à l'expire, on reste. Inspirez bien. À l'expire, on vient poser le bras droit sur la jambe droite. On inspire, on se grandit bien. À l'expire, on reste. Si vous pouvez, vous venez poser le bras droit au sol. Et inspirez, restez ici. L'objectif est toujours d'essayer d'ouvrir la zone du cœur quand on est dans cette posture. J'ouvre toujours bien sûr mon bassin. À l'expire, je viens poser les deux mains au sol, poser le genou gauche et venir nous mettre dans la posture du lézard. Donc, mieux. Hop, du coup, ici, voilà. Et ici, on inspire. À l'expire, si je peux, je viens ici descendre. Tout en gardant bien le pied en contact avec le sol. Des fois, on a tendance à relâcher ici. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de garder le pied en contact avec le sol. Pensez à toujours bien inspirer, bien expirer. Et j'inspire bien. À l'expire, je me redresse et je viens doucement, à mon rythme, me mettre dans la posture du chien. Et relâchez bien votre tête. On inspire. On expire, on relâche le dos, on relâche bien notre corps.
Et on va venir inspirer, lever la jambe gauche. Et à l'expire, on ramène le genou gauche au sol. Hop, et ici je vais ouvrir derrière. Donc toujours pareil, donc si c'est difficile d'ouvrir, je viens ici m'asseoir sur ma jambe. Et ici, sinon j'ouvre sur le côté. On inspire ici, à l'expire, on relâche vers l'avant. Et on reste 3 inspires, 3 expires. Pensez toujours à ressentir votre corps qui se relâche bien dans l'expire, qui se détend. Laissez relâcher, décontracter. Laissez aller, laissez partir. Rappelez-vous de prendre un temps, d'accepter. Et inspirez bien. À l'expire, on se redresse doucement. Et on vient ouvrir ici, sur le côté. On vient inspirer, lever le bras gauche. À l'expire, descend doucement sur le côté droit. On inspire, n'hésite pas à se redresser légèrement pour vraiment bien inspirer. Quand on est un peu comme ça, on peut avoir du mal à prendre de bonnes inspirations. Inspirez. Allez, expire, on revient ici. Et on vient ouvrir nos deux jambes ici, comme on peut, bien sûr. On inspire ici, on se grandit. Allez, expire, on prend notre temps pour descendre vers l'avant. Et on reste 3 d'inspire, 3 d'expire. On n'hésite pas à l'inspire, toujours se redresser légèrement. Ça permet vraiment d'ouvrir le corps et à l'expire, profiter de relâcher, décontracter. Peut-être vous pouvez sentir que votre corps se relâche toujours un peu plus dans l'expire. Et plus vous avez des profondes inspires, plus votre corps se relâche dans l'expire. Et on inspire. À l'expire, on prend le temps de se redresser. Et de venir ramener les jambes ici. Et de venir plier ici les jambes. Les deux pieds légèrement ouverts. Je viens mettre les mains au sol. J'inspire, je lève les jambes. Donc je reste pliée. J'essaye de bien garder le dos droit. Et si je peux, je viens tendre ici les jambes. Et j'inspire, et si je peux, je viens lever les bras. Et à l'expire, je reste. Et à l'expire, relâchez ici. Et on vient légèrement tendre la jambe droite. Et on vient ramener la cheville gauche sur le genou droit. Ici. Et si je suis bien, donc n'hésitez pas si ça tire beaucoup à donc, croiser un peu plus. Si je suis bien, je vais ramener un petit peu plus en attrapant ma jambe droite ici. Et je pense à bien inspirer, à grandir mon dos. À l'expire, à rester dans la posture. Inspirez bien. Et à l'expire, je relâche ici. Je viens plier ma jambe droite, la poser ici. Et je viens attraper ma jambe gauche, donc pour faire la posture du bercé, la berceuse. Donc je viens mettre mon genou gauche dans le bras gauche. Et je viens attraper mon pied droit ici. Je pense à bien inspirer. Et à l'expire, à rester. Si je trouve que c'est facile ici, je peux venir attraper, mettre le pied dans le coude droit ici et ramener un peu plus. Alors ne cherchez pas à aller trop loin, prenez le temps, allez-y à votre rythme.
Et pensez à bien inspirer, à l'expirer, à rester. De la compagnie. Donc il ne fait pas de bêtises, ça. On inspire. Et à l'expire, on relâche ici. Et on vient tendre nos deux jambes vers l'avant. On vient inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on relâche vers l'avant. J'inspire, je fais du plat. Expire, je relâche vers l'avant. Inspire, du plat. Expirez. Encore une fois, on inspire de plat. On expire, on relâche et on se redresse doucement vers tête par vertèbre. Et on vient prendre le temps ici de se remettre dans la posture du chat. Ici. Et on vient inspirer, lever la jambe gauche ici. Et à l'expire, rester. Donc essayez de bien tenir, ne creusez pas trop le dos, tenez. Et on inspire. Et si on peut, donc soit on vient se remettre dans la posture du chat pour aller dans le chien, sinon on plante nos orteils ici et on se redresse directement dans le chien. Et on peut venir relâcher la jambe gauche un petit peu vers la droite en la gardant pliée si on peut. On pense toujours à bien inspirer ici, à bien expirer. Relâchez votre tête. Inspirez bien. À l'expire, on retourne dans le chien ici. Inspirez, expirez. Inspire. Expire, je reviens dans le chien. Dans le chat, pardon. On y était. On vient mettre le genou gauche, donc au centre, donc dans l'alignement, au centre, et la jambe droite derrière qui vient croiser. Et je viens m'asseoir sur, ici, donc la jambe droite. Hop. Et donc, si je suis bien ici, je viens relâcher ici la jambe droite sur le côté. Et essayer de positionner mes deux fesses au sol. Ici, je viens inspirer, lever le bras droit vers le ciel et le ramener vers l'arrière. Et le bras gauche, je le redresse. J'essaye de pointer bien mes coudes, donc le droit vers le ciel et le gauche vers la terre. Et quand j'inspire, je pense à bien ouvrir la zone du cœur et à l'expire, à rester dans cette posture. Inspirez bien. Et à l'expire, relâchez et allez à votre rythme dans la posture du chat. On inspire ici. Expire, je plante mes orteils et je viens dans le chien. Inspire bien. Expire, je reviens marcher vers mes mains. J'inspire, je fais dos plat. Expire, je relâche, pliez les genoux, attrapez vos coudes, relâchez la tête. Inspirez bien ici. Et à l'expire, je me redresse doucement vertèbre par vertèbre en déroulant. Et je déroule la tête à la fin. Et je relâche les bras. Et je viens inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Mais prenez le temps ici de bien prendre conscience de vous, de vous rappeler pourquoi vous êtes là sur votre tapis. Même si c'est juste pour vous détendre, c'est très bien aussi. Et on va venir donc refaire le même enchaînement un tout petit peu plus rapidement, c'est-à-dire qu'on va rester moins longtemps dans les postures.
Donc, une inspire, une expire. Alors, on vient se mettre ici, donc les pieds bien en contact l'un contre l'autre. Donc, le mieux, c'est sur tous les gros orteils si on peut. Et on vient ici, inspirer, lever les bras. À l'expire, je relâche vers l'avant ici. Et je viens inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, relâchez ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève. À l'expire, je relâche. Allez, encore deux fois de chaque côté. Inspirez, à l'expire, relâchez. Pensez à plier les genoux. Hein. Essayez d'ouvrir la zone du cœur. Prenez le temps. Et on vient inspirer, faire de plat. À l'expire, on relâche la tête. Et on vient inspirer, se redresser dos droit. Expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Et ici, je viens inspirer, lever la jambe droite. Expire, je viens reculer la jambe droite pour mettre dans la posture du guerrier ici. J'inspire bien. Expire, je reste. Et on inspire. À l'expire, soit je pose le coude, soit je viens me mettre en bas. Et j'inspire ici. Expirez. Inspirez bien. Expire, je viens poser les deux mains au sol, le genou droit au sol et venir me mettre dans la posture du lézard. J'inspire. Expirez, relâchez un peu plus dans cette posture. On inspire. On se redresse. Et à l'expire, on vient se mettre dans le chien. On inspire bien ici. Expirez bien. Relâchez bien votre tête. J'inspire, je lève la jambe droite. Expire, je ramène le genou droit entre les deux mains. Et je viens m'asseoir ici. Pensez à bien inspirer, à bien expirer, à relâcher ici. On inspire ici. Expire, je viens me tourner sur le côté ici. Je ramène le bras droit, gauche, pardon, sur la jambe gauche, j'inspire. Et à l'expire, je vais vers la gauche. On inspire. Et à l'expire, je reviens ici. Et je viens ramener mes deux jambes ici. Je plie et je viens dans la barque. J'inspire. Et si je peux, je vais me mettre ici, vraiment dans la barque. Inspirez bien. À l'expire, relâchez ici. On vient ici mettre donc, la cheville droite sur la jambe gauche. Et on vient inspirer, se redresser ici. Expirer, relâcher. On inspire bien. Expire, je relâche ici. Je viens ramener la jambe gauche au sol. Et je viens faire la berceuse ici. Je viens attraper. Prends mon temps, je vais à mon rythme. On reste un peu plus ici. Inspire bien. À l'expire, on relâche ici. On vient tendre nos deux jambes. J'inspire, je dresse les bras. Expire, je relâche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, je déroule vertèbre par vertèbre. Et je viens à mon rythme mettre dans la posture du chat. Et ici, donc j'inspire, je lève la jambe droite. Expire, je reste.
Inspirez bien. À l'expire, si je peux, je viens planter mon pied gauche et je viens me mettre dans la posture du chien. Sinon, je passe bien par le chien. Je viens relâcher la jambe droite. On inspire bien. À l'expire, on relâche ici. Inspirez dans cette posture. Expire, je reviens dans le chat. Et je viens mettre la jambe droite au centre, mettre la jambe gauche derrière, croisée, et m'asseoir sur la jambe gauche ici. Et on vient relâcher si on peut. Et les bras derrière ici. Le bras du coude gauche est vers le haut. Coude gauche vers le haut. On inspire. Expirez, restez bien. Pensez à bien ouvrir ici. Expirez bien. Et encore une fois. Et à l'expire, je relâche, je retourne dans le chat. Inspirez. Expire le chien. Inspirez bien ici. À l'expire, doucement, marchez vers les mains. On inspire dos plat. Expirez, relâchez, pliez les genoux et redressez-vous doucement vers tête par la terre. Relâchez la tête jusqu'au bout. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Et je prends le temps aussi de reposer. Reprendre bien contact avec moi. Peut-être sentir les battements de mon cœur. Entendre la musique. Et on va venir faire la même chose une dernière fois de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on plie la jambe d'appui. Et on va dans la posture du guerrier ici. On inspire bien, on reste. Pensez à sourire. À l'expire, posez le bras droit au sol si vous pouvez. On inspire. Inspirez bien. Expire, je pose les deux mains. Je viens poser le genou gauche et on met dans la posture du lézard ici. On inspire. Expire, je relâche ici. Inspirez bien. Et à l'expire, je vais doucement mettre dans la posture du chien. Vous allez bien prendre vos repères. Inspirez bien ici. Et on inspire, on lève la jambe gauche. Expire, je ramène le genou gauche entre les deux mains. Et on vient s'asseoir ici. On inspire. Expire, je relâche vers l'avant. Relâchez le front. Inspire bien. À l'expire, je me redresse doucement et je viens ouvrir ici sur le côté. J'inspire, je lève le bras gauche. À l'expire, je descends sur le côté droit. Inspire. Et à l'expire, je reviens ici. Et je viens mettre mes deux pieds en contact avec le sol pour venir dans la barque. On inspire. Et expire, je vais dans la barque. À mon rythme. Inspire bien. Inspire ici. À l'expire, je relâche ici. Je viens ramener le pied gauche sur le genou droit. Et si je peux, je ramène un petit peu plus le pied droit vers moi. Et j'inspire bien ici. À l'expire, je reste. Et ici, je relâche. Je viens fermer la jambe droite et venir ici prendre mon bébé la jambe. Ici, on attrape, on inspire. On reste ici.
Prenez le temps de toujours relâcher dans l'expire, laisser en douceur. Et à l'expire, je relâche bien. Je vais relâcher les deux jambes. On inspire ici, on lève les bras. À l'expire, je relâche vers l'avant. On inspire dos plat. Expire, je me redresse. Je déroule. Inspirez bien. Et je vais me mettre dans la posture du chat. On inspire, on lève la jambe gauche. Et à l'expire, on reste. On inspire bien. À l'expire, on va se mettre dans le chien ou on passe du chat au chien. Et venez relâcher la jambe ici sur le côté, vers la droite si c'est possible. Inspire bien. À l'expire, on revient dans le chien. J'inspire bien. Et je reviens dans le chat. Je ramène le genou gauche au centre et je viens ramener la jambe droite derrière, je croise. Je viens m'asseoir sur la jambe droite ici. Et si je peux, je décale. Et si je lève le coude gauche, droit, pardon, vers le ciel et le coude gauche vers la terre. Inspirons-nous. Expirez, restez. Restez ici, trois bonnes inspires. Inspirez bien. Expirez, relâchez, revenez dans le chat. On inspire. Expire le chien. Inspirez bien. Et je viens marcher doucement vers mes mains. Inspirez dos plat. Expire, je plie, je relâche bien et je me redresse doucement vertèbre par vertèbre. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur et reprenez bien conscience de votre corps, de vous, de votre intention, de vos sensations. Et on va venir fermer la boucle. On inspire ici, on se redresse. À l'expire, on relâche vers l'avant, on vient plier les genoux. Et on vient ici inspirer, lever un bras. Et à l'expire, relâcher. J'inspire, je lève. Expire, je relâche. Pensez à bien essayer d'ouvrir la zone du cœur. Encore une fois de chaque côté. Et inspirez donc là. Et gardez l'inspire si possible. Expire, je plie, je relâche et je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre, relâchez bien la tête. Et venez ici, posez bien vos pieds l'un contre l'autre et je viens inspirer ici, donc posture de la montagne, je viens inspirer, me grandir ici, et expirer, rester. Et prenez conscience de vous. Essayez de vous sentir fort telle une montagne. Essayez d'imaginer la grandeur, la puissance de la montagne. Toute cette eau qui circule partout, ces forêts, ces animaux, tous ces êtres de la nature qui vivent. Sa force, elle est tout le temps en train de grandir, pousser.
selon certains modèles. Inspirez. Et à l'expire, relâchez. Et je vous propose à votre rythme de venir vous allonger au sol. Pour bien relâcher. Relâchez complètement votre dos, vos jambes. Ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras. Et laissez votre corps se poser ici. Sentez votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Et sentez peut-être le poids de votre tête qui se relâche, les muscles de votre visage. Toutes les tensions se défont. Relâchez vos épaules, vos bras. Sentez votre dos qui, à chaque expire, essaye de s'approcher, se relâcher toujours un peu plus au sol. En même temps, vous pouvez écouter la musique et vous détendre complètement. Prenez un temps pour être fier de vous, vous remercier. Et en même temps, relâchez bien votre bassin qui a bien travaillé. Peut-être vous pouvez le sentir. Peut-être vous pouvez vous sentir beaucoup plus détendu, relâché, apaisé. En même temps, vous relâchez toujours vos jambes. Et prenez un temps pour apprécier cette détente. Appréciez le fait de venir accepter, car c'est pas toujours évident, mais c'est tellement plus libérateur. Alors soyez fiers, fiers de vous, de venir prendre ce temps aujourd'hui pour faire ça pour vous. Inspirez bien. N'hésitez pas à vous étirer doucement. Prenez le temps. Pour lui bâiller. Venez ramener les genoux vers vous. Attrapez. Doucement vous bercer. Et à l'expire, je propose doucement de venir tourner sur un côté et de venir doucement vous redresser en prenant le temps. Et venez ici reprendre vos esprits. Tout en restant toujours bien concentré sur votre respiration. Essayez, si vous pouvez, de rester dans cet état le plus possible. Et tout en restant toujours concentré sur votre respiration, ça va vous aider.
sur ce, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir fait ce cours. J'espère que ça vous a beaucoup apporté. Que peut-être vous avez senti justement cette sensation de un peu lâcher prise, de justement avoir la sensation d'avoir accepté plus de choses. Donc après, c'est avec le temps aussi, il faut que les émotions se libèrent aussi, hein, parce que le travail vient juste d'être fait. Donc prenez le temps pour vous, n'allez pas trop vite ce soir, pensez à bien boire pour éliminer, ça aide à éliminer. En plus, c'est quand même un yoga, voilà, c'est quand même, on va dire, un peu intense. Donc pensez à bien éliminer, donc pour vraiment éliminer toutes les toxines qu'on peut avoir dans notre corps, puisqu'on fait bouger, on élimine. Donc buvez. Et voilà, bah écoutez, après, je vous dis à demain pour ceux qui seront là, peut-être à demain. Et en tout cas, passez une belle soirée. J'espère que ça a été. Donc je vois, super, thank you. Donc Corinne, merci, très bon effet, super. Bah c'est bien, si c'est déjà, si ça se ressent déjà, c'est super. Donc Karine, merci beaucoup. J'ai fait que la première partie car j'ai mal de tête qui est apparu. Ah, peut-être pas l'habitude de bien respirer aussi. Ça peut arriver, c'est vrai que comme on est assez rapide dans l'enchaînement et qu'on prend vraiment des bonnes inspirations, du coup des fois ça fait un peu tourner la tête et si on n'a pas trop l'habitude, c'est vrai que ça peut justement faire mal à la tête. Après c'est comme tout, c'est du coup à force, une question d'habitude, on y arrive mieux. Peut-être plus demain, la Hatha Yoga c'est un petit peu plus calme, donc du coup c'est peut-être mieux, on va dire, si on a des mal de tête quand on fait des respirations assez rythmées comme ça avec des enchaînements. Génial, j'ai eu très chaud, c'est très bien ça, c'est pour ça, buvez. Excellente séance, je sais que j'ai encore à travailler au niveau du bassin. Oui, bah ça après c'est sûr que l'ouverture du bassin c'est pas quelque chose de très évident. Donc Caro, Linus, des frissons au moment de la montagne, super. Merci Caro d'avoir été là. Ok, Tarana, merci, super. Et Louisa, merci beaucoup, ton cours est très rassurant pour moi, ben super, je suis contente d'avoir vos retours en tout cas, c'est super, ça vous a fait beaucoup de bien, c'est le principe. Donc je vous dis une très bonne et belle soirée, et je vous dis à demain, pensez à bien boire, moi je vais boire aussi. Bye, à demain.